Aujourd'hui, est-ce du poujadisme de reprocher au ministre Flahault d'être allé voir le film d'Al Gore en hélicoptère? Je vous racontais l'autre jour les mésaventures du ministre Verwilgen avec son 4x4. Malheureusement, ce gouvernement dont l'ultime ligne droite s'apparente à un chemin de croix a encore été la cible de ce que l'on peut qualifier de poujadisme vert. Tout cela pour une malheureuse balade en hélicoptère, lequel devait de toute façon effectuer une sortie ce jour-là. C'est un peu comme si on reprochait aux autostoppeurs de contribuer à l'effet de serre. Où s'arrêteront ces intégristes soi-disant environnementaux? Certes, le hasard a contribué à gonfler artificiellement l'incident. Mais est-ce la faute du ministre Flahault s'il allait justement voir le film d'Al Gore ce jour-là? Notre époque est décidément bien intolérante. Aurait-on fait un tel foin si le ministre de la Défense de l'époque avait été voir le film Gandhi dans un char d'assaut? Pour peu que le cinéma soit sur son trajet, bien sûr. Merci, professeur Poncho. Sauver le monde est un plaisir et doit le rester. Al Rio!